Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekkai et on se retrouve sur EU4 pour la suite de la partie en mode héritage. Alors ce qu'on va faire c'est très simple, c'est qu'on va pour l'instant se renforcer, stocker un power, convertir, ce truc là il faut le convertir le plus vite possible, 430. Autriche éclaire la guerre à la Bohème pour l'UP. Autriche-Hongrie-Bohème, ça fait un gros bloc ça. Ça fait une grosse alliance. Moins de pays dans l'Allemagne, dans le Saint-Empire, mieux c'est pour moi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a moins de casse-couilles. Ben voilà. Alors eux ils m'emmerdent. Tout le monde la paix, je monte ton élection complète. Tu veux pas, moins 13. Alors je vais vous massacrer les mecs. Ça sert de raison que vous cassez les pieds avec mes colonies, je vais vous massacrer. Almanaque. Au revoir, qu'est-ce qu'on fait? Message aux croyants. On va pas s'appliquer au niveau provincial pour l'instant. Petit collage, celui il a reculé, c'est parfait. Lui, il a piqué la colonie, cet enculé. On va faire une société de tolérance. Mais pas des bourrins haineux. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi faire? Guerre de religion. Priorité. On fracasse l'infidèle. Il va prendre Essekibo d'ailleurs. Que veulent ces... Que veulent ces... Ces coupes jarrets. Voyons. On va récupérer une province d'ailleurs ici. Gassi au Mali. Ah, intéressant. Envoyer notre colon dans cette province. Ils massacreront les infidèles. Parfait. Ça signifie une chose, une mission réussie qui s'appelle la terre ferme. Je ne vais pas la faire tout de suite. Ça impliquerait de devoir faire une guerre là-bas assez longue et coûteuse pour pouvoir s'emparer du Haut-Pérou. On la fera pas tout de suite cette guerre. On va quand même faire une guerre plus tard pour le Brésil. Je m'en fous de mercantilisme, honnêtement. Autriche. Italie à qui? L'Autriche galère contre ses glandus?
Eh bien. C'est bien, mais je n'irai pas. Parce que voyez-vous. Je me moque de cette guerre. Je veux à nouveau user la France. Allié à Kildare. Ah, ça s'appelait. Cela me plaît énormément, par contre. Une France alliée à Kildare, moi, ça veut dire une chose. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un débarquement sur Kildare. Bonne nouvelle! Ça, on envahirait Kildare, on se fera un pied à terre ici. Pour s'envahir l'Irlande. Moi, j'aime ça. Par contre, les Gascons, là, vont casser les burnes. Y a rien. Les Mosines. Le problème, c'est juste les réformer là. Il faudra exterminer d'ici peu. Voilà. Rejoindre les colonies, c'est parfait. Enfin, c'est très fun d'ailleurs. Voilà, quoi, c'est infidèle en plus. C'est beau. Armagnac, ouf. Je pense que je vais quand même prendre puissance missionnaire là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire claim là-dessus. Diplomatie. Oh, pardon, le petit Gualas. Là, honnêtement, rétablir l'union, je pense que là, il n'y a pas besoin de vraiment qu'on dise rien. Il suffit qu'ils prennent la capitale. Et c'est bon. C'est-à-dire qu'on a comme allié l'Autriche-Hongrie-Bohême. En gros, ils n'ont plus que la Galicie pour faire l'immense empire qu'il y avait au XVIIe siècle. Les Gascons sont soulevés. Angleterre versus France. Putain. Tu sens l'Angleterre qui a cassé les couilles de la France jusqu'à la fin de la game ou pas là? C'est vrai que Savoie est finie, ouais, bon, j'ai pas envie de me brouiller avec la Savoie. J'ai ramélioré mes relations avec elle. Et je peux intégrer vous qu'en 1516. La prochaine texte, c'est en 1518. Pour passer niveau 10. Unifier l'Espagne. C'est pas une province à côté de ces cons là qui serait...
Frontière, la mer, là. Je trouve que c'est beaucoup trop loin. Faudrait prendre Duke pas. Il en faudrait deux, là. Ça craint. Je vais juste faire une ligne comme ça pour relier deux colonies. Bon, après, peut-être qu'ils vont faire une autre ici pour l'Argentine. Bon. Nuremberg, c'est fini. Nuremberg est hors de la guerre. Non, ici. Là, la France, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à revendiquer Tolose. Le sud, hein. On va commencer à revendiquer le sud. Une fois qu'on a fait ça, on se fera la Bretagne. L'Angleterre, Kildare. Ouh. Il faudrait pas serait que l'Angleterre se fasse piquer. Enfin, qu'ils prennent tout Kildare. Balles, c'est tout ce que vous avez. C'est une blague. Un colonisateur, ça me plaît ça. Un colonisateur, ouais, ça me plaît ça. Et on va faire une réforme. Administration. Une institution cléricale. Coût du conseil, moins de 10%. Ce serait extrêmement nécessaire d'avoir un coût de conseiller qui sera réduit. On va s'entraîner en Guyane. Tolède de la Manche, putain, ok, c'est burn là. Faut juste tenir un petit peu, c'est tout. Enquête de vérification, c'est dur ce camp en plus, ce truc là. 414. Ah merde. 4 ans. Alors vous, ce que vous allez faire, ce sera... Oui, j'en ai besoin. Ça va coûter cher, je sais, bon. On a besoin de faire ça très vite. Belle parole. Nouvel édit. Mais ça ne peut pas envoyer les Peuls. C'est pas grave, on pourra pas les envoyer de toute façon. La Bohème, c'est un truc à Brandebourg. La vache, ça ferait chier, moi. La Pomerie, c'est de ça au Brandebourg. Ouais, bon, on a eu l'aide de la Castille. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça. Après tout, on ne peut plus rien faire en Europe. On a vraiment pas mal là-dessus. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire des colonies ici et rochers. Ça sera pour une autre fois, je pense.
Juan 4-5. 5-4-5. Ouh, encore meilleur. Implacable. Putain, agitation, par contre, fais chier, toi. Si je virais ce con, j'hésite. Par contre, les Frenchies, vous avez cassé les burnes, combien de temps? On va prendre ça. Par contre, ou ça a coûté cher. Une gain plus 9 par mois. Les provinces là coûtent très très peu cher à Corée. Portugais, lui, c'est quoi faire assez facilement, c'est tant mieux pour lui. L'avantage, c'est que ces imbéciles commencent à taper d'abord les provinces de religion catholique. L'Autriche. Le pape a excommunié. Bon, je suis protestant, je m'en fous des excommuniés. On a pas un conseiller diplomatique là? Ouais, 1,36 à cause de l'élection, d'une dépense. Il faut jouer les trucs, attendez. Modificateur, où est-ce qu'il est? 1,515. Merde. Les jeux autrichiens est stérile, ça craint ça. Les nignons sur Lunebourg. Application hostile. Bon, toi c'est pas grave, je viens juste de baisser le truc. Le Pissarro, voilà, comme ça a été une armée. Putain, l'Autriche fait chier. Oh, putain, que c'est cool, les Pulse. C'est pas les Pulse là, non, ça c'est Jollof. C'est très simple. On va faire un petit truc fun, vous allez voir. De quoi un Dom Massina? Qu'on regarde ça? Bouger, c'est moche.
Massina. 10 000 blaireaux. Donc 15 000 blaireaux et 10 000 de réserve. Ok. Vue Croyale, parfait. C'est la colonie. Et après, on va faire le Brésil, vous allez voir. Puis, on va faire la Colombie. Enfin, la Cuba. On va faire une au Mexique, une en Amérique. Vous allez arrêter de glander, vous allez plutôt faire recherche des cités d'or. Peut-être trouver un truc intéressant. Et c'est quand la fin de la traite avec la France en fait? 419, dans 7 ans. J'aimerais bien pouvoir taper sur Mzab avant. J'essaie de faire monter les relations avec Mzab, histoire de pouvoir lui dire quitte la coalition, mon gars. Fontaine de Jouvence, eau de vie. Ah! Ouais, c'est pas la fontaine de jouvence, hein. C'est juste les mecs qui croient qu'ils ont trouvé la fontaine de jouvence. Mais bon. Et bien sûr, Kildare se fait entièrement annexer. On peut pas trouver un autre pote, la France. T'es allé quoi, Lorraine? Angoumois. On va se taper Massina d'abord. Ouais, faut nos épinards après tous les gars. Tunis. Je me casse les pieds, Tunis. Prochaine fois, j'apprends, hein. Promis. Un comme tu mords aux espions. Déclare la guerre. Plus con ça 1516. Putain de merde.
En tout cas, j'ai gagné à Pologne. Mais le truc, c'est quoi? Va te vautrer. Donc ça quoi ça dit que c'est pour un signe, d'après tout l'avantage c'est que ce sera vite fait. Bas-Poitou. On va aller dans le Bas-Poitou. Manque de pluie, c'est pas hyper grave non plus. Donc, on va chercher cette province là. J'essaie de me faire Cuba et là, les provinces là, histoire de pouvoir aller le plus vite possible ici. Pour Espagnola. Grande armée. Et voilà, regardez. Intercaetera, un cruzateur de plus. Que des Caraïbes, bon, que des Caraïbes va être déclaré bientôt par le pape, je suis sûr, à ces cons-là. Ils ont déjà une. Deux, trois, quatre. Ils ont bientôt la cinquième. Ça a rien d'y aller en fait. C'est la Colombie, hein. Faut que j'aille au Mexique. Non, on va mettre un ici pour aller par là et un par là. On va mettre d'ailleurs un ici. Je finis la Colombie, après le deuxième il sera. Voilà. Et c'est Kibo déjà, il termine ça. Et il va partir ici. Colonia de la Plata. Pour faire un peu l'Argentine. Ouais, faut jouer une chose d'ailleurs. C'est juste un gaspillage. Oh, je fais. Et je crée. Je crée l'Espagne. Faire ça, ouais. On va créer l'Espagne, ce sera bien. L'avantage avec les Sinites, c'est que bon bah, quand on est converti. Ils coûtent pas énormément d'argent, c'est que le casse-pied. Ils sont peut-être longs, mais pas coûteux. On va pas taxer les colonies, on va pas commencer. Belle parole. Encore un autre crédit. Donc ça va foutre après tout. Je prends les techs la prochaine fois. Magnifique armée. Effectivement.
Même la situation. C'est qui bio? On s'en fout, ça fait toujours 400 gugus. Non, attendez. Oh bah non, 296, ça sert à rien. Désolé, faut faire 20 ans le prochain mois, ça va passer à 1000. On n'en veut pas, et bim, voilà. Le colon qui reste, on va le mettre ici, et non pas au Brésil. La Plata. Messina. Il y a une question sur ces couillons là. Donc Messina va lui dire déclaration de guerre. Prendre Tagnan. Il va se faire Wolof au passage. Faut jouer en paix pour faire putain l'Espagne, ça fait chier ça. On va faire ça très vite, vous allez voir. La Savoie, ouais, je fais la gueule, gna mais ça va honnêtement, vu ton état. Laisse-moi savoir, fais plutôt la gueule contre les vraies menaces, d'accord? L'Angleterre fait la collision. Putain, mais l'Angleterre fait une collision parce que j'attaque des mecs en Afrique. T'as tellement rien à foutre de ces gars-là en plus. C'est pas si français qu'il faudra que tu tapes. C'est une grosse décembre, d'accord. En décembre, il n'y a plus de problème du malus ici. Bon, pas tout converti, bonne nouvelle. De Séville, il a fini tout, commencé la réforme. Non, il y a encore la Mancha qui est pas convertie. Et encore tout ce qui est ici. Est-ce que le fouet là pourrait pas convertir davantage la France? Si c'est pas si tu veux le popper, moi ça me gêne pas. Hein. Je prends la province capitale, puis ta jante. Putain, ils ont débarqué ces cons là. Là, on va prendre le Gugus qui est bon en. On va faire l'économie de fric.
Nessa Gomez, plus de puissance commerciale à sa fille. Jusqu'à la mort du dirigeant. Vu son âge, ça ne fait pas trop plus durer trop longtemps, je pense. Massacre d'indigènes, préparation. Le jeu choc subi, moins 10%, bim. Massacre de PC clandu là. Alors qu'est-ce que je vais prendre là? On va sur l'institution de la province de la véritable foi, oui. Prestige grâce aux missionnaires, ouais. Le plus important, je pense que... La mine d'or des Peralta. La famille Peralta participait à une expédition de routine lorsqu'elle était massacrée par les indigènes de la région de Orfaillé. Quelques-uns ont demandé de l'aide au conquistador qui prenait beaucoup d'or si la famille était vengée. Quoi, c'est pyrite? Le fils aîné a amené notre trouve à la mine d'or. La mine s'est détruite. C'est mieux que rien. Bon voilà. Ouais, c'est pas toujours facile la vie dans les colonies. Hein. Tu t'es quitté la coalition contre moi. Parfait. Et le petit schlag aussi qui était là. Dab, il est toujours dans la coalition ou pas? Tu veux vraiment t'amuser mon gars, vas-y. Hein. Ben produit du cacao. Ah, on va faire voir le chocolat en Europe. Est-ce que l'Aragon pourrait te mettre également ici? Je sais que je vois pas trop les frontières. Ah, pardon, une photo reste ici. Une photo reste ici, ouais. Qui explique pourquoi est-ce qu'on a du mal à avancer. Je suis sûr qu'on doit la prendre celle-ci avant de pouvoir progresser. Ok. Autrichienne-Pologne, d'accord. Elle est parfaitement dégueulasse la carte. Oh la vache! L'étonique explose.
C'est beau. Ah voilà, regardez. Forteresse, je me disais bien qu'il y a une forteresse ici. Donc, ce qu'on va faire nous ici, c'est qu'on va faire... Discipline. Paro naïf, allez. Épidémie, allez, vas-y, forme-moi ça. Neuf jours pour prendre tout ça en plus. Diplomatie. Non, on va chercher celle-ci. Allez, bouffe-moi ça. Putain, écoute-toi. Allez, on prend que ça et c'est bon, on se casse. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va passer niveau 10. Et vu qu'on passe niveau 10, on va pouvoir faire deux choses. Premièrement, investir dans... L'expansionnisme, voilà. Et encore mieux. Former diplomatique. Alors déjà. Plus de puissance missionnaire déjà, ça ira plus vite. Ah ouais. Et enfin. Bim, je trahis son ambition. Héritage. Nous venons de former l'Espagne. Et je pense que c'est magnifique victoire que on va s'arrêter. Les missions. Voilà, vous avez beaucoup de missions nouvelles. Les Pays-Bas espagnols. Rétention de Lyon contre l'Autriche, oh mon dieu le monstre! L'Autriche-Hongrie Bohème, oh la vache! Je vois pas tout ça. La main espagnole envers l'Angleterre, mon dieu. Monarchie universelle. Putain, le monstre. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.